provision de l'alliance. La provision de l'alliance. La provision de l'alliance. Provision de l'alliance. Nous allons prendre du bon livre d'Exode. Vous avez la leçon de la Bible à Bobigny. En son 4e chapitre. Nous allons lire à partir du premier verset. Exode chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel dit, qu'y as-tu dans ta main? Il répondit une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras enfin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici qu'elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et il ne te connaît pas la voix de premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau d'une fleuve, tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra puissante sur la terre. Donne-moi un bon amen. Amen. Prions. Ton Père Céleste, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour cette écriture et ta parole que nous venons de lire. Il est dit, cette parole, l'Esprit est vie. Laisse en ce moment l'Esprit de la parole pour se mouver et pour s'y aller. Nous toucher, nous nous impacter. Et que cette vie de ta parole, Seigneur, nous soit donnée, car nous voulons bien vivre par elle, selon elle. Nous ramenons toute pensée captive et le sens de la croix, que ta parole prenne place en nous, pour qu'à jamais la gloire et le soit manifeste. Ensemble, disons, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous en prie, pouvez vous asseoir. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est quand ça va pas, mon ami. Merci pour la parole. Jésus, nous parlons de la provision de l'alliance. La provision de l'alliance. Il s'agit d'une alliance. Et alors, une alliance qui a une provision. Nous avons dit ce que c'est l'alliance. Nous avons dit que c'est l'alliance. Il y a donc un contrat entre des hommes et parties. Nous avons dit qu'un contrat entre des hommes et parties. Nous avons dit qu'un contrat entre et l'alliance, donc, on fait mention ici. Nous avons dit il
s'agit de l'alliance de Dieu avec son homme. Ou l'alliance qui existe entre Dieu avec le peuple. L'alliance de Dieu avec le peuple, cette alliance, Dieu les contracte non pas avec le peuple, mais avec son nom. Et il voit que cette alliance est contractée. Il y a ce qu'on appelle la provision. La provision, c'est quoi? La provision, c'est ce qui dispose les parties d'un contrat. Dispose en bénéfice d'une autre partie. Lorsque nous lisons la Bible de Samuel, la Bible nous parle de l'alliance de David avec Jonathan. L'alliance est un lieu dans le cœur. Mais en dehors du cœur, la Bible dit qu'ils sont faits des échanges. De bien. Jonathan a donné à Jonathan. David a donné à Jonathan. Là où il a fait ça qui Jonathan, et Jonathan également a tout donné à David. Jonathan fait le coup, a fait ça qui l'a donné. Jonathan, de son côté, devait garder à tout prix ce qu'il a reçu de David. Jonathan, là où c'est là qui a battu la route, là où il a fait ça qui est. Et David aussi, de son côté, devait garder à tout prix ce qu'il avait donné Jonathan. Là où il fait le coup, c'est là qui a bombardé Jonathan a fait ça qui est. Et ces objets, ces symboles d'alliance. Mais vous allez dire, les mots, là, vous avez dit. Pouvait être le symbole de la provision. C'est pourquoi plus loin, la parole de Dieu nous montrera que Jonathan était déjà mort. Jonathan vient si à Koufa. Mais à David, va se souvenir de cette alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Et qu'est-ce qu'il a fait souvenir? C'était ces objets, la change d'alliance. Et ça, qui dit le gouvernement, on va penser qu'il n'a pas qu'à l'organe. Et David a vu cela. Mais David a mon yabo. Il avait compris qu'il avait fait une alliance avec lui. À ce seul, il a ça qui pourrait gagner dans votre monde. Et c'est par là qu'il va s'inquiéter, va se demander. Mais si dans ma vie, à l'esprit, vous dites, comment il pouvait rendre le bienfait à Jonathan? Le lendemain, il a fait ça à mon âme dans Jonathan. Jonathan qui l'avait protégé. Jonathan où il a battu la qui est. C'est Jonathan qui avait pris soin de lui. Jonathan où il a l'aimé la qui est. Mais David va se rendre compte que Jonathan n'est plus là. Mais David a demandé Jonathan à sa discuter. La personne de l'alliance. Bon, tu as voulu qu'elle. Alors, ce qui vient en deuxième lieu, c'est ce qu'on appelle le peuple les bénéficiaires de l'alliance. Et David va se demander s'il n'y avait pas quelqu'un de la maison de Jonathan. C'est par là qu'on dira qu'il y a un Mephibosheth. Fils de Jonathan. Le petit-fils de Saul. Qui vivait dans le débat. Dans une vie de médiocrité. Dans une vie d'angoisse et tourment. Lui qui était petit-fils d'un roi. Et fils d'un prince. D'un héritier. Alors, une fois que David s'est souvenu de l'alliance, David devait faire du bien en cet homme. Il a dépêché pour qu'on aille chercher Mephibosheth. On est allé chercher Mephibosheth. Et une fois que Mephibosheth est arrivé, David a commencé à servir Mephibosheth. Mephibosheth n'avait pas travaillé.
Mephibosheth a salaki mosala te pour obtenir les choses que David lui avait données. Mephibosheth n'était pas à l'état. Mephibosheth est à Zaraki dans le lendemain de pouvoir s'asseoir avec le grand ou encore avec le roi. Mais dans l'alliance qui existait entre son père et le roi David, Jonathan pouvait en bénéficier. Ah oui, même Jonathan aussi, c'est Jonathan c'est mais comme Jonathan était venu, pourquoi maintenant Mephibosheth pouvait en bénéficier comme bénéficiaire de l'alliance. Il y a le fait que Mephibosheth allait bénéficier. C'est comment Mephibosheth a là. C'est ce qu'on appelle la provision de la vie. Il y a de la provision de la vie. De ce qu'on dispose pour toute personne qui fera son entrée dans cette alliance. Pour toute personne qui fait partie de cette alliance. Provision. La part réservée. Il y avait beaucoup de gens qui manquaient, qui avaient aussi les mêmes situations avec Mephibosheth. Mais ils pouvaient en bénéficier de ce que Mephibosheth avait bénéficié. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans l'alliance. Parce que l'alliance ne le reconnaissait pas. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi la bonne année. Amen. Ne pouvez pas en bénéficier. Parce que cela n'était pas pour elle. Mais cela était le réserve. Pour ceux-là qui font partie de l'alliance, mais de ceux-là que l'alliance reconnaît, et c'est pourquoi il est venu dans le livre de Matthieu. Quand il m'a dit que nous avons parlé, au chapitre 15, nous avons parlé de la vie dans le temps. Après le verset 10, 12, il descendait. La femme qui était venue voir Jésus-Christ, en suppliant Jésus pour qu'il nous guérisse sa fille. La réponse de Christ était claire là-dessus. Christ dit femme, il n'est pas bon de prendre la part des enfants. Et de les jeter au chien. Il y avait une part des enfants réservée mieux que pour les enfants. Parce que si tu n'es pas enfant, tu n'as pas droit à ça. Tu n'as pas droit à ça. Dans l'alliance, il y a les droits et les devoirs. Ce qui est droit pour toi, c'est un devoir pour l'homme. Et ce qui est devoir pour toi, c'est un droit pour l'homme. Et c'est pourquoi l'alliance doit pas être trahie. Dans la mais on doit respecter les clauses de l'alliance. Quand Dieu est venu voir Moïse, Dieu a fait l'alliance avec son roi Moïse. Et maintenant, Dieu va faire montre à Moïse ce qu'était la provision dans cette alliance. Que Moïse puisse savoir que l'alliance entre moi et Dieu avec toi n'est pas vaine, n'est pas vide, mais il y a une provision.
et c'est provision. Et c'est cette provision, y a bon provision qui te garantira au jour du malheur, au jour des troubles, au jour des tourments, au jour des combats, au jour d'angoisse. La provision qui va te garantir. Et ça l'indé, provision dans les mains. Était dans ce jour d'angoisse. Mais Moshe Kazaraki n'a pas été volé encore comme ça. Dans ce jour de la désolation. Mais alors l'alliance. Vous êtes garanti ce jour. Et donc, quand il voyait dans la cour, puis c'est lui qui a dit que ce jour était meilleur. Et c'est Nicolas Nézaraki. Parce que dans l'alliance, il y avait une provision. Et Zaraki, la provision. Rendre son jour meilleur. Pour pouvoir faire en sorte que son futur puisse être encore plus meilleur. Donne-moi une bonne année. Amen. Chante dire à quelqu'un. Dans l'alliance, il y a une provision. C'est ça la provision. Et c'est cette provision, une provision qui va te garantir. Au jour du malheur. Au jour d'angoisse. Au jour des tourments. Et au jour des combats. Cette provision. Une provision va te garantir. Donne-moi une bonne année. Amen. Encore une bonne année. Amen. Et là, je suis sorti de voir un jeune homme qui se fait bon au nom de David. Un jour, que Saoul avait péché. Il a été rejeté. Et alors, tu es entré chercher la personne d'alliance pour qu'il soit son roi. Et alors, l'Esprit de Dieu est en train de chercher. Alors, l'Esprit de Dieu va trouver quelqu'un dans la maison d'Israël. Est-ce là ce que le jeune homme est David? Donne-moi la main. L'Esprit est en train de chercher. L'onction est en train de chercher. Quand l'Esprit va trouver dans la maison d'Israël, l'onction va aussi checker dans la maison d'Israël. Il s'agit de qui? Parce que dans la maison d'Israël, il n'y a que le ciel. Il n'y a que les réserves. Dans l'alliance. Et là, pourquoi l'Esprit a-t-il cherché la personne de l'amour? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Laisse que l'onction puisse te localiser ce matin. C'est que tu ne vas pas ici, Amen. L'onction n'a pas de confusion. Et par quoi est-ce que tu as la confusion? Alléluia. Amen. N'a pas de confusion. Est-ce que tu as la confusion? L'onction, lorsque cela détecte quelque chose, et par quoi, tant mon kata, il y a un bonheur et le commande. Il ne rate pas sa cible. Il y a un cible. Je reste maintenant que tu es la cible de l'onction. Amen. Tu es la cible de l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. L'onction a commencé à cliquer dans la maison d'Israël. Et par quoi, il m'a dit qu'on nous a dit quoi, Israël? On appelle le fils aîné. Papa, il dit qu'on a dit qu'on a l'onction, le fils. Et par quoi, il m'a dit. On appelle les secondes. L'onction est fille. Et pas quoi, Boy? Oui, madame. L'onction. Et pas quoi? Comme elle a le droit. Et il a réussi les signes. Alléluia. Sois encore la cible de l'onction, Seigneur. Amen. L'onction n'est pas confessionniste. Et pas quoi, elle tient à la drapeau. Et quand on appelle le jeune homme David, ça va bien aimer David. Quand tu arrives, l'onction s'est réjouie. Il n'est pas pressé. Parce que l'onction pouvait aimer. Oui, le papa est petit mordant. Dis avec moi. Ce matin, l'onction doit le trouver. Je suis l'homme. Disposé à l'onction. Pour l'onction. Allez. Amen. Et alors, quand l'onction a trouvé,
dans le papa, l'alliance se fait contracte. Dieu dit, je te vois comme un roi. Tu feras ceci, tu feras cela. Reçois tout ce que tu attendais de la vie. Mais dans cette option, c'était par rapport à l'alliance. Il y avait un appui de prophétie. C'est la raison pour laquelle un jour mon un géant Goliath, lorsqu'on est décidé, il y avait personne qui a été pour combattre Goliath. Pas comme on dit ça, Goliath. Écoutez, c'est bon. Il n'y a pas besoin. David pose la question. David a dit le retour à l'homme. Qu'est-ce qu'on fait là? Pas comme ça, la Bible. À la personne qui va tuer Goliath. On dit à la personne qui va tuer, on va lui donner la fille. Ma compétence est prendre la couille à moi, c'est pour la voici. Amen. Donc il y avait des pousses qui étaient réservées pour la personne qui a tué. Pour la moto qui a tué. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arrive encore? Il y a la chance de l'Iloa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous ces bénéfices. On va les disposer. On va les disposer. Et alors? Il y a des personnes qui pouvaient l'obtenir. Pourquoi? Parce que la condition était d'abord. Il faut faire tomber Goliath. C'est pourquoi ça va venir. Mais alors, personne ne pouvait faire. La Bible dit, quand David se présenta, qui est ce circoncis? Il va tomber. Il va tomber. Il va s'avancer. Saoul le regard. L'énorme jeune homme. Il va chanter les combats à l'esprit. C'est un guerrier. C'est un puissant homme. Tu ne sauras pas en France. Entre. David dit. Écoute. Donc, c'est un faisais perdre les troupes polonaises. Un jour, un ours, j'étais avancé. Ayaki, la rachelette. Il y a aussi mon père. Ton saint père. Le bon chasse. À l'anaïma. J'ai frappé l'ours. La cima ours. J'ouvrais sa tête. J'ai retiré la bébé. Et après, j'ai congé l'ours. Ça me la cave. Mais il passe là. On va le monter. Ce n'est pas fini. Et si l'idée. Ton serviteur. Mon serviteur. Mais on peut perdre les troupes pour les soldats. Azara qui sont libres à nouer la table. Alors, un lion est venu. Mais quand c'est rien qui. La brille. Azi. La brille. Bati. Je m'en fous. À qui? Je vous chasse ces lions. La longoli passe et je tue aussi. Et la bombe qui passe. Ça va être le projet. Il passe. On est dans la bombe. Qui es-tu? Il est en train. Ah oui. La soeur. Il est. Azali. Le roi. On parle. Jésus. Et Amen. 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 Il est. Azali. Il a fait une provision. Et si la tienne en moi, Dieu avait mis par lui. C'est la raison pour laquelle l'ours
n'avait pas de la force de Dieu. Le Dieu ne pouvait rien me demander. C'est pourquoi il pose la question. Qui a l'envoyé de ce côté? Aujourd'hui, à combien? À mourir? À combien? C'est la vérité. À combien ça? À cause de l'alliance. Il y a des provisions. Mais la provision qui n'était nulle part que tu avais déposé à la personne de ta vie. Pourquoi personne ne pouvait faire face à lui? La Bible est là. Ça s'est dit. Ok, Damien. Puisque l'Éternel soit avec toi, prends un javelot. Prends mon épée. Prends mes bottes. Serre-toi de cela. Serre-la. Vas-y. Je suis avec toi. David n'avait pas besoin que ça ne soit dans les murs. David a été là pour ça. Et tu sembles le bon. Des fois, tu as besoin que les gens puissent être avec toi. Des fois, tu veux que la majorité puisse être à tes côtés. Pour te soutenir. David dit dans sa parole, c'est avec l'Éternel. Nous sommes, formons la machine. Donne-moi. Amen. Au devant de tes ennemis, quel que soit leur nom, que Dieu puisse t'ouvrir le ciel. Sont plus consentibles que le nombre de tes ennemis. C'est pourquoi tu n'auras rien à craindre. Car le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi la vie est encore avec Dieu. Nous faisons les choses. Il est grâce à nous. Un bon amour. Mais comment tu seras avec toi? S'il n'y a pas l'alliance avec lui, tu es le fils de Philadelphie. Donne-moi mon ami. Amen. Pour que tu sois avec toi. La Bible dira ceci. Le fils de Séba. Toi, tu as chassé le Simon. Au nom de Jésus que tu as chassé. Les démons nous ont dit ceci. Nous connaissons Paul. Nous connaissons ce Jésus-là. Mais alors, où qui êtes-vous? La Bible dit, ils ont été tabassés par lui. Le scopin, il s'est enfui. Non pas à moitié de nous. Mais ils ont fui. Tout en étant mis. Il n'y avait plus homme qui a sauvé l'air. Même pour fuir. Tu te connais. Ça va aller mieux. Dans sa vie, dans son fils. Le coup la main dans la haine, on va le voir aussi. Mais comment tu pourras savoir ça? Est-ce que tu l'as dit? La parole dit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. On lui voit ça, tu m'as dit ça. Crie d'amour à ma peine. Il y a un attaque au temps, la maison, à ma tête. C'est lorsque en toi le Saint-Esprit. Il y a un attaque au temps, mon Saint-Esprit. Va attester. Vraiment, tu appartiens à Christ. Et tu es naturellement enfant de Dieu. Et tu es enfant de l'ensemble. Je n'ai suivi esclave du péché.
ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La savane dans la sable. Et l'esprit de Dieu. Mais bonjour dans la sable. Mais convainc. À salut comme dit ça. Mais certifie. À sa problème ta place. Tel que je suis là. Je suis réellement enfant de Dieu. Dans la sable dans la sable. Est-ce que c'est ce que tu sens en toi? Et ça, la bonne chose, allez pour le capter dans la sable. Ce n'est pas le temps de venir à l'église. Ce n'est pas le temps de prier. Mais cette femme qui est le sang de Christ. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Nous crier en toi. Abba, Père. Et réellement, tu es ton Père. Et je suis réellement enfant. Mais alors, il faut que lui, le sang de Christ, nous te conduit. Mais combien de jours nous sommes charnels? Mais chrétien charnel. Qui est chrétien charnel? C'est celui qui connaît Christ. C'est ça la vie de Christ. Celui qui prétend avoir donné sa vie. Ah, ça ne pas ça ne pas Christ. Mais on n'a pas encore donné sa vie. Pourquoi? Pour la vie. Parce que c'est sa chair qui le conduit. Les âmes sont données là pour qu'on ne conduit pas sa propre chair. Nous avons donné la vocation. C'est votre désir. La prochaine année. Votre émotion. L'émotion d'ailleurs. Votre sentiment. Un sentiment d'ailleurs. Il peut prendre une décision aujourd'hui. À quoi vous êtes et demain, il annonce. Le vie à vous. Il peut faire ceci. À quoi et demain, faire autre chose. C'est ça que je suis conduit. Moi, ça t'a beaucoup mal été. Qui t'est conduit? Non, ça t'a beaucoup mal été. Qui t'est conduit toi-même? C'est le cas mal. Moi, pour ce sens, je suis conduit. Donc, moi, ça t'a beaucoup mal. Au moment où. Attends, je deviens incapable d'écouter même les reproches du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons ma coquille à Bouillot, à Tapo, ma reproche à Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que je pense connaître plus que le Saint-Esprit. Mais tu vas être pour les parce que je connais. Je ne connais pas plus que le Saint-Esprit. Et c'est par là que nous étouffons le Saint-Esprit. Nous étouffons la foi du Saint-Esprit. Quelqu'un fait en tête ses prières. Mais il étouffe la foi du Saint-Esprit. Parce qu'il veut que le Seigneur vous réponde selon lui. Le Saint-Esprit va se taire. Mais tu as écouté que la voix de ta conscience. La voix de tes pensées. Pensant que c'est Dieu que tu es. Écoute seulement la voix de ta conviction. Parce que tu as ta propre conviction. Tu pries avec tes propres convictions. Tu vas écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se sentirait plus faible. Par tes convictions là. Mais il sera plus déconduit. Tu seras conduit par tes propres convictions. Tu seras conduit par tes propres pensées. Tout cela. Tous ces éléments sont des éléments de cœur. Tu es conduit par ton propre cœur. C'est toi-même qui se conduit. Tu es un homme charnel. Différemment des chrétiens, d'un homme animal. Mais laisse-moi te dire. Il y a aussi des chrétiens animaux. Ils savent que le Seigneur Jésus-Christ existe. Ils viennent aussi à l'église. Ils prient l'animal du Seigneur. Mais ils font des choses comme des animaux. Ils ont même détruit leur propre voix de conscience. C'est par là maintenant qu'on dit ceci. Nous avons cherché le monde, nous avons trouvé le monde à l'église. Et l'église est morte. Non. Ça ne peut pas se faire. En fait, c'est quoi? Tu es dans le monde. Tu n'aimes pas l'église. Mais alors, tu fréquentes l'église. Il existe une différence entre être l'église et fréquenter l'église. C'est pas ce que Dieu veut de toi. C'est le vœu que Dieu veut de toi. Et que tu sois vraiment un chrétien spirituel. Qui est un chrétien spirituel?
C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Dans son esprit, dans tes vies. En conformité avec la voix du Saint-Esprit. Sois véritablement enfant de Dieu. Dans l'alliance. Et c'est par là que la provision de l'alliance sera pour toi. La Bible dira, dans l'alliance, il y avait une provision. Et c'était quoi? Des ciels.